Bonjour à toutes et à toutes, c'est Xo sur une de Planète Xo et aujourd'hui on va partir pour notre premier tutoriel sur le logiciel Sony Vegas Pro. Et je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un petit fondu entre deux vidéos. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que créer un fondu, franchement, c'est très très utile. Peu de personnes le font, mais ça rend vraiment la vidéo beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus fluide. Et franchement, c'est beaucoup mieux de regarder une vidéo avec des fondus qu'une vidéo où les parties se succèdent directement. C'est très très moche, enfin à mon goût. Donc, on va lancer Sony Vegas Pro. On va importer nos deux parties de vidéo. On va les mettre dans la bande. Voilà. Alors, ce qu'on veut, donc on va dire que ce qu'on veut, c'est qu'elles se succèdent toutes les deux. Avec un petit fondu entre les deux. Donc pour le moment, on va regarder très calmement ce que ça donne sans fondu. Oulala, on peut voir que c'est très très moche et que ça change directement d'un coup comme ça. Alors, pour faire un fondu sur Sony Vegas Pro, c'est vraiment très simple. On va donc s'intéresser surtout à cette partie. Au moment où les deux vidéos se succèdent, vous voyez au-dessus, il y a une petite flèche bleue. En fait, ce qu'il faut faire, c'est poser sa souris sur la flèche bleue et attendre que le petit sigle, comme vous voyez là, décalage du fondu, apparaisse. Et là, on va décaler, enfin on va tirer, et on voit que une sorte de barre blanche apparaît. Et ben, en fait, c'est la taille de votre fondu. Alors si vous voulez, ben, vous le faites long, mais bon, il faut quand même une certaine longueur, mais bon, on va faire à peu près... 2-3 secondes de fondu, donc on peut voir la durée du fondu à côté de décalage du fondu. Donc on va le faire, donc allez, 2 secondes, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et là déjà on va regarder ce que ça va donner, et je pense que ça sera déjà beaucoup beaucoup mieux. Vous pouvez le voir, ça se succède très gentiment, et le fondu est réalisé à merveille. Et là, franchement, ceux qui regarderont vos vidéos, ils seront d'autant plus contents que si vous regardez une vidéo de Diablo X9. Bon, allez, à la prochaine, hein. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. Et c'était pour Planète Xozo, notre site à Guigui et moi.